l'urbanisme, mais on s'occupe de tout. Hein. On s'occupe aussi bien de la politique contemporaine que des anciens matériaux, etc. Mais voilà la manière dont les gens abordent ces questions. Pas de problème, pas de problème. Allez, de suite. Oh putain de merde. Voilà, c'était le patron du cyber. J'ai oublié que je devais aller bosser. Voilà, bah, je suis encore à la bourre. Il doit pas y avoir de bus en plus. Pas 20 euros. Non, j'ai pas 20 euros. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Il commence. Ça me gonfle. Ah, ça fait longtemps que je suis dans la rue. Je vis déjà avant. Super. Ça va. J'avais un chien. Tu as vu une nouvelle Subaru, elle est trop bien. T'es étudiant? Oui. Quand il était étudiant, c'est une un talent. Il passait longtemps le dernier bus? Un quart d'heure. Au moins, ouais. C'est bien comme ça que... Ça touche pas, comment c'est pas touché toi? Ah, c'est bon. Mais ça peut aller bien quoi. Putain, c'est bon, on est partout. C'est bien. C'est bon, c'est bien. Bon. Je crois qu'il m'explique un truc. Il y a la pierre. Parce que là, c'est... Ah ouais, c'est ça. Un pêcher pas mal lui. Il pourrait faire un bon clochard lui. Un bon clochard pour un film. Encore faudrait-il que j'ai un scénario qui tienne la route. Parce que là je commence à en avoir ras le cul mon scénario. Il n'y a personne qui... C'est bon, Nicolas il va pas tourner quoi, c'est bon. Il faut, si je trouve pas de la thune, il ne tournera pas. Lui, si on peut le rembourser, il ne voudra pas. C'est bon, voilà. Ouais, donc voilà, là je vais aller au cyber, on va aller voir mon patron, il me fait encore des emmerdes. Donc on va bien voir ce qu'il veut. C'est lui. Oh putain. Okay. Dis-moi, pourquoi tu cours? Tu ne veux pas un peu trick par hasard? Oui, ouais. Voilà, bah, tu peux me rendre. J'ai pas, je suis en galère en ce moment, j'ai pas trick. Ah, tu as pas? Non, j'ai rien du tout. Ah bah c'est con, écoute. Bon bah lui c'était Nicolas, je donne un peu de fric, ça fait un bout de temps, j'ai pas rendu, mais là je pensais pas que j'allais le voir ce soir. Donc voilà, il y a le patron qui m'a... Enfin je dois aller remplacer mon patron là maintenant. Je dois avoir une heure de retard, un truc comme ça, tout cassé. Voilà. Bon, on va rentrer, on va bien voir ce qu'il veut. Salut. Ah, carrément. Ouais, désolé. C'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, mais j'ai un problème. Depuis le début de la semaine, t'as des problèmes tous les jours ou quoi? Ouais, là c'est un peu plus grave, enfin bon, j'ai des problèmes à la maison, un truc comme ça, j'ai des projets à rendre à la fac et tout, c'est un peu galère. D'ailleurs, faut qu'on en parle, viens avec moi dehors. Va me faire la réserve, tranquille, on va en mettre. Tu me surveilles le magasin, s'il te plaît? Tu m'appelles, c'est pour rien. Pas de problème, il y a un truc qui va plus, hein. Ah, tu arrives tous les jours en retard. Ouais.
Deux, tu as vu dans quel état tu arrives au magasin? Non, mais t'as la condition, c'est que tu arrives propre, carrément, correctement. Oui, bon, ben voilà. Désolé. Tu vois ta caméra là au milieu? J'ai dit que c'était pour un projet pour la fac, je suis obligé de la garder avec moi et de filmer un petit peu tout ce qui se passe. Bon, d'accord, mais bon. D'abord, j'aimerais un, que tu arrives à l'heure, hein, et deux, dans un meilleur état. Oui, parce bon. Que ça va plus, ça, hein. Je suis dans cet état-là pour venir travailler, je viens comme ça et c'est tout. Moi, c'est le boulot de la fac qui compte en premier, puis ton boulot de merde, ce cyber de pourri, attends, ça sert à rien, voilà, c'est tout. Si je viens juste pour te rendre service. C'est tout simple, si le boulot c'est un boulot de merde, c'est fini, tu ne travailles plus. Ouais, bah alors donne-moi l'argent que tu me dois alors. Non, là je peux pas te donner l'argent que j'ai. Y a pas de plus tard, oui, tu me donnes l'argent, tu me donnes de l'argent. Je sais pas combien je te dois exactement. Parce attends, que c'est, toi, c'est quoi, tu me payes maintenant, je t'ai dit, t'as compris? Oh, calme-toi, c'est pas la peine de générer comme ça. Donne mon fric, c'est tout. Calme-toi, ça sert à rien. Ça va, calme-toi, ça sert à rien. Oh. C'est mort. Ras le cul de ce boulot de merde. Mais dehors, mon branche, j'ai son fric. J'ai tout pété, j'en peux plus. Je te jure, j'en butais. Comme on peut voir, c'est super la vie d'étudiant. Le projet est trop compliqué. Tout ça va être obligé de bosser pour avoir un peu de fric. Putain, il me reste à moi à tirer, mais putain. Oula. Tous les coups, il va aller porter plainte contre moi encore une fois. Voilà, super. Plus de boulot. Plus de fric. Parce que même. On va avoir une centaine d'euros à tout casser. À qui je dois du fric, ce genre de projet à filmer que je peux pas tourner. Avec les emmerdes que j'ai, pas de question de remettre les pieds à la maison. Je crois que je vais rester la nuit dehors. On va aller marcher un petit peu, ça me rafraîchira l'esprit. Donc on est vendredi, il reste 5 jours pour réussir à mettre en image mon film. Le souci c'est que pas d'acteur. Je crois que là je vais péter un câble. Je commence à en avoir ras le cul, je crois que je vais me laisser. Quoi? C'est pas 20 euros, c'est pas une. Non, j'ai rien. J'ai rien du tout. Chose, j'ai rien tu du les tout. Quelque chose, allez. J'ai rien du tout. C'est pas une copine. J'ai rien du tout, laisse-moi tranquille, j'ai rien du tout. Chose, oh, me touche pas. Allez. Me touche pas, je suis énervé en plus, ne me touche pas. Ouais, c'est mauvais, dis-moi. Allez, merde. Allez, touche. Ah!
plus. Tu es. Putain. Oh, okay.